Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure Wayfix Resident Evil 8 évidemment. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Hissez-moi tout cela en top tendance comme vous savez si bien le faire depuis le début. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça fait extrêmement plaisir évidemment. Et on reprend directement là où nous en étions, à savoir un petit coup de fil de Madame Dimitrescu. On avait bien galéré parce qu'on avait oublié un élément clé l'épisode précédent. Mais normalement, ça devrait un petit peu mieux se passer. Et on s'était fait agresser par beaucoup de personnes. Elle est très grande, hein, bordel de merde. Elle est très grande. J'ai bien envie de continuer cette aventure. Voilà. Donc, on va lire un petit peu tout cela. Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai la nausée rien qu'en pensant à cette réunion de famille. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout Heisenberg. Ce faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château. Des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Je crois que j'ai besoin d'un verre. Donc, écrit par, vous l'aurez compris, je pense, Madame Dimitrescu. Toujours rien ici, c'est terrible, je veux cette clé, hein. On peut rien ouvrir, là, j'ai l'impression d'être littéralement un caca, bordel. J'ai l'impression d'être un putain de caca. Attendez, quoi? Je suis fou ou quoi? C'est verrouillé de l'autre côté, quoi? Je suis rentré par où, moi? Je suis rentré par là, n'importe quoi. Rose, où es-tu? Il faut que je sorte Rose de là. Il faut tous qu'on sorte Rose de là, ok? Peut-être qu'une photo de famille peut ouvrir cette porte. Encore une fois. Mais alors là, je comprends pas, là. Il faut peut-être fouiller un truc sur madame. Quoi? Il y a quelque chose. Oh. Clé de Dimitrescu qui va nous permettre d'ouvrir ça, je suppose. Voilà, ça me paraissait évident. Bon, on va pouvoir ouvrir toutes ces portes. Ah, la con! Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous... Ah! Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu? C'est pas vrai! Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire! Ok? C'est ça, et c'est toujours! Non, ta gueule, Ethan, c'est pas les bons moments pour parler, je te l'ai déjà dit! Ok, ça sent Némésis, ça, non? Ça sent Némésis, ça, je te le dis, mon pote! Elle va réellement nous traquer, vous croyez? Ah, si elle nous traque, c'est tellement stylé! Soit Mister X, soit Nemesis. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. En plus, très belle robe. Il faut le dire. Il y a des choses à dire. Et ça, il faut le dire. Très très belle robe. Je déteste ouvrir ces trucs-là. La dernière fois, à chaque fois, je me fais choper. Oh là là. Here we go again. Ok, on a quelque chose, mais rien à la fois. De très belles pièces pour pas grand chose. Mais j'ai la clé, hein. Notez ça. J'ai la putain de clé. Ok, on a quelque chose ici. Oh, Milley. Oh, un fluide chimique. Oh, un interrupteur. Comme si j'allais te laisser filer. Ah, mais c'est pas tu vrai. Tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. J'ai plus d'armes. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. C'est pas vrai. C'est rien, c'est rien, c'est rien.
Je peux récupérer ma main, s'il vous plaît? Une main coupée! Bah, c'est récupéré! Voilà, c'est tout ce que je voulais! Non! Madame! Arrêtez! Aïe! Oui, j'ai dit aïe, c'est rien passé! Madame? On fait la paix? Elle est à droite! Elle est à droite! Cette dame ne veut pas faire la paix avec moi! Mais non! Madame! Arrêtez! Mais c'est qu'il est agile. Madame? Même moi! Ok, on va repasser par là. Je sais pas comment elle a fait pour passer par ici. Hein. Ça, faut le savoir. On va. Et on court. Hein. On court, on se raccroche à la vie. Ok. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, je sais pas ce que je prends, j'en ai rien à péter. Allez, salut! Courir ne te mènera nulle part! C'est pas vrai, hein? Quoi? Je veux ce produit magique. Je veux ce putain de produit magique. Ok. C'est bon, je me casse d'ici. Sortir du château. Je suis une salope si je pars d'ici, hein. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, donc je vais vraiment partir d'ici. Ok. Ouh. Qu'est-ce qu'on a là? Ça ne me dit rien qui vaille. L'annexe, ça paraissait évident. On est dans l'annexe là? Ok, j'ai compris. C'est verrouillé de l'autre côté. Putain de merde. Tout est verrouillé, ma parole. Comment ça casser les couilles, ça, vos conneries, là? Ok, on va pas faire les crevards, hein. Je vous le dis, on va pas faire les crevards. On va se créer des petites balles. Ok. Oh bah, merci. C'est bien sympa. Le rouge à lèvres de madame a disparu. Si quelqu'un le trouve, merci de le remettre dans sa salle de bain. C'est une pièce faite sur mesure et donc très chère. La gouvernante. Ce n'est pas la bonne clé, ça paraissait tellement évident. On est encore dans une nouvelle partie du château ou quoi là-haut? Il y a des bails. Ok. Ça a l'air pas mal. Il faut retenir qu'ici, il y a des fenêtres. Interagir. Premier jour après le traitement. Les trois filles ont cessé de bouger. Elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aînée. Ça semble être une mouche commune. Deuxième jour après le traitement. Les trois corps sont recouverts de mouches qui dévorent leur chair. Lorsque j'ai ouvert une fenêtre, certaines d'entre elles sont tombées au sol. Il semble que le froid les pétrifie. J'ai vite fermé la fenêtre pour éviter d'affaiblir davantage les insectes. Quatrième jour après le traitement. Les trois corps ont été presque entièrement dévorés par les insectes. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes dessinant vaguement des silhouettes humaines. Il est midi passé et les insectes ont commencé à changer de couleur. Ceux qui recouvrent le visage sont devenus blancs et ceux qui sont situés au niveau des lèvres ont viré au rouge. Sixième jour après le traitement, les masses d'insectes se sont à nouveau déplacées et ont redonné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se sont réveillées et m'ont regardé comme des nouveau-nés découvrant leur mère. Je ressens une sorte d'attachement pour elles. J'ai déjà choisi leurs prénoms, Bella, Daniela et Cassandra. Très belle histoire. Très très belle histoire.
Ok. Ça, c'est headshot, ça, je reconnais. Ferme-la. Bien joué, j'ai l'esquive. Monsieur ? Voilà, j'ai eu peur. Le vendeur, s'il vous plaît ? Cette serrure peut être crochetée, évidemment, évidemment, évidemment. Ça peut, mais je ne peux pas. On va faire un petit demi-tour, on va vider le haut, si ça vous dérange pas. Ok. Quoi ? Je croyais qu'il était mort ! Aïe ! Putain ! Je croyais qu'il était mort ! Il avait lâché son arme ! Mais que nenni ! Bien joué ! Tu m'as feinté, mon pote ! Là, il y a des bails à faire, là. Là, il y a des putains de bails à faire. Oh, boule, fleur et épée ! Incroyable. Je peux pas ramasser cette statue, ça doit avoir une blinde, ça, bordel. C'est comme l'ange en bois de mes couilles. D'accord. J'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Ok, bon. Alors, les trois filles sont sensibles au froid, mais j'ai l'impression que Madame Dimitrescu n'est pas sensible au froid. Parce qu'elle a pas de mouches qui voguent autour d'elle. Elle est juste giant. Et on aime les gens giant ici, ok? Ok, ok, ok. Je sens que ça va partir en cacahuète. Bon! Ah ouais, non, les gars, oh, solfège, j'ai pas que ça à foutre, hein. Non, 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 les gars, ça, je sais pas faire. Ça, je sais pas faire. Attends, 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 on va lire quand même, mais... Entre 5 et 6 cm. Leur structure corporelle ressemble à celle des mouches à viande, mais avec des différences au niveau de la tête. Ils sont carnivores et extrêmement voraces. Lorsqu'ils chassent, ils émettent une phéromone, je ne savais pas que... Je pensais que c'était un phéromone, d'agrégation qui leur sert à se regrouper pour prendre une apparence humaine qui trompe leur proie. Incapables de se reproduire, ces insectes naissent lorsque le cadou pond des œufs dans leur hôte. Ils sont sensibles aux changements brusques de température, en particulier lorsque thermomètre descend sous la barre des 10 degrés Celsius. Leur métabolisme s'arrête et ils entrent dans un état de stase qui s'apparente à la cryptobiose que l'on observe chez les tardigrades ou le polypedilum van der Plancky. Évidemment, du nom latin, t'as compris. Voilà, bon, ok. Donc, elles sont faites de mouches, hein, vous l'aurez compris. C'est en aucun cas des femmes. En tout cas, c'est plus des femmes. Ce sont des mouches. Alors là, le piano, je vois vraiment pas comment faire. Hein. On va essayer, vous voulez... on tente un move ? Ok. Ok, j'ai appris très rapidement. Très très rapidement. Le fameux piano, évidemment, clé en fer forgé. Let's go! J'en ai besoin dans le village de ça. Hein. J'en ai besoin dans le village. Ok. Attendez. Là, on peut déverrouiller. Très bon, ça. Très, très bon, ça. Là, on a fait... On vient d'ici. Ok, on a fait en haut. On peut repartir, je pense. À la limite, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Hein. Putain, j'avais pas vu ça. Mais non, mais c'est de là où je viens. Terrible. Resident Evil, c'est terrible. Ok. Et si... Et si j'allais là? Non, évidemment. Ça semblait tellement évident. Si j'allais là, c'est là où on l'a poursuivi. Je crois qu'il n'y a plus rien en vrai ici. Hein. Il n'y a plus rien du tout ici. Pff,
point de sauvegarde, pas intéressant. Ok, on peut retourner dans la première partie du château, celle qu'on avait fait au tout début. Mais je pense que Madame Dimitrescu, encore une fois, peut aller dehors. Mais ça sent pas bon, hein, ce qui va se passer. Je préfère vous le dire. Hein. J'ai de quoi reformer un masque de pierre trouvé dans le sous-sol du château. Il exprime le chagrin. Ouais, bah ça... Ça va. Ok, je me casse. Je me casse. Ici, on a le busque. Ici, on a le vendeur. Et ici, on a le labyrinthe. Et le fameux labyrinthe. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Ok. On va se caler à l'abri, là, un peu, là. On va se caler à l'abri, parce que là, j'aime pas ça. Faut que je remette tous les bus. Non, mais c'est pas possible. Oh là là là. Quel enfer. Il m'en manque tellement, j'ai l'impression. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Aucun signe de Rose. Oh. Vous m'en voyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Mais bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Juste avant, j'aimerais mettre ceci. Ok, ça c'est beau. Je vous l'avais dit hein, que c'était une sorte de labyrinthe à billes. Quoi? Ah d'accord, je suis allé dans le trou du milieu. Je suppose que je dois aller dans le trou. Je suis machine. Ok. Ok. Let's go. Ok, boulot d'or. Un crâne cramoisi. Ok, c'est bon ça. La musique est tellement stylée. Ah, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de fusion hein, dans celui-ci. Hein. Ok, on va voir combien il reprend. Vous cherchez quelque chose en particulier? Alors, le bazar. Très bien, très bien. Permet de fabriquer des mines. Permet de fabriquer des munitions de fusil snipers. Mais il n'y a pas de sniper, en fait. Ou alors, je suis passé à côté de quelque chose, c'est pas possible. C'est un vrai shit, mais enfin... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il me fait très peur. Ok... Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. On va vendre tout ça. Splendide! Connaissez-vous ça? On en a plus besoin. Et on va. On va équiper tranquillement. Voilà notre pistolet. Capacité. Pour 2 balles de plus, c'est pas ouf. Hein. Par contre, le rechargement, ça peut être très cool. Ok. Ça. Je pense que ça vaut le coup. Et la puissance, évidemment. On n'a plus rien. On est très bien. J'ai pas l'impression d'avoir fait une boulette. J'aurais peut-être pu prendre ça, mais ça sera le prochain achat, ok? Merci de votre visite. Et ben de rien, mon pote. Hein, de rien, on peut peut-être se barrer de ce château de mort. Très pas mal, je pense. Alors, cet ange. Est-ce que c'est lui? C'est totalement lui. Trouver les masques des anges, 1 sur 4. Très bien. Je suppose que derrière se cache la fin du jeu. Sûrement, éventuellement. Très bien, très bien, très bien. J'ai peut-être ma petite idée. Se barrer, non? Du château. Parce que finalement, il l'a dit lui-même. Elle est pas ici. Ah ouais, mais... Ça paraissait tellement évident, bordel. Et pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt?
Toujours cet ascenseur mort, hein, on est d'accord, hein, on est toujours sur quelque chose de totalement inopérant. Ouais, bah c'est très embêtant. C'est très très embêtant. Ah oh là là. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec des mouches là, la con. Oui. J'en ai marre, laissez-moi tranquille. Clé en fer forgé, oh là là. Crochet, putain, c'est où ça? Cave à vin. La salle de la joie. Merde! Merde! Ok, j'ai trouvé. Oh, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Je vais peut-être garder un souvenir. Ne pas changer la difficulté, tu m'as pris pour qui là? Bon. Elle m'a fait tellement peur. Voilà, non mais faut que ça reste entre nous, hein. Elle m'a fait tellement peur. Ok. Elle m'a fait tellement peur. Il y avait tout en haut à droite une nouvelle porte justement. Donc on va y aller calmement. Elle pop comme ça, Léa Tourment, ou quoi? C'est quoi son projet à ma sœur, là? Je ne tiendrai c'était pas. Sûr, c'était sûr, c'était sûr. Ok. Quoi? Ok. C'était sûr, une bague en argent. Je suis pas venu ici pour s'ouvrir. Non, bon, on va pas le remettre. N'abusons pas des bonnes choses. Ok. Bougez pas. On va se refaire un soin, je m'en bats les couilles. Si quelqu'un a un problème, qu'il me le dise tout de suite ou se taise à jamais. Allez, on y va. Oh non, c'est pas vrai. Here we go again. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible de faire des châteaux aussi grands, bordel de merde. Vous êtes totalement inconscient par ici. J'avais peur que mes sœurs ne t'aient tué avant moi. Ouais. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! T'es trop forte, toi! Mère te trouvera, mais je pense que tu es ici. Allez, dégage! Allez! Je me suis soigné. Allez! De l'air froid entre la fissure, un impact assez puissant. Oh là là! Oh, j'ai peur! Tu vas avoir peur! Cousine! Cousine! La chasse s'est cachée à cause de toi! Oh putain! Pourquoi? Non! Si, si, crois-moi que si. Tu n'échapperas pas! Tu es ma! Voilà! Hasta la vista, baby! Foutu sorcière! Voilà! Dis-leur, Ethan! Ok. Bon. Deuxième sœur, c'est fait. Terrible, hein. Terrible, hein. Ok, on peut plus passer par ici. Bah alors, elle est où la sortie, dites donc? C'est pas vrai, c'est là-dedans? Eh non. Les refs? Where is... Oh bah, dites donc. Ok, un trophée de chasse. Alors attendez, je pige plus tout à ce qui se passe là. Non. Un trophée de chasse. Très bien. Un petit boulon. Crâne d'animal. Ah.
Ok. En fait, je vais feinter le jeu. Ouais, je m'y connais bien en feintage. Et en gros, je vais poser le crâne pour faire croire. Voilà. Histoire que ça déverrouille tranquillement. Ok, une sœur en moins. Là, normalement, et je devrais être un peu tranquille. Il en reste que... Ah ! Oh, c'est pas vrai ! Faut que j'aille là-haut, là, mais je sais plus où on va dans cette putain de salle d'opéra. Ah, c'était dehors. J'ai envie de checker un truc quand même au cas où. Je fais tout accroupi parce qu'elle est grande, ok? Ok. Elle est là. Elle est là. Ah, espèce d'intrus répugnant. Ok. Bonsoir. Elle peut pas venir. Impossible qu'elle vienne ici. Retenez bien ce que j'ai dit. Impossible qu'elle vienne ici. Bon, ah, combien tu me reprends oui, tout ça oui. Merci. Bague en argent, ouais. J'ai un crochet, incroyable. Déçu vraiment ? Ça me paraît faut que je re-ressorte dehors, hein, c'est terrible. Hein, prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Faut que je re-ressorte dehors. Ah, oui, oui. J'ai assez d'argent. Ah non, j'ai pas... Putain, les gars, sans déconner, 100 balles. Dépanne 100 balles, mon nous meuf. Nous nous reverrons bientôt. J'espère pas. Bon, on va re-save. J'hésite à arrêter là. Hein. J'ai pris des coups de pression là, attention. Hein. Attention. Je pense qu'on va se stop là. On va checker vite fait par où il faudra sortir. Ok, donc ça c'est la porte qui mène aux vignes. Où il y avait le marchand. Ok, le hall principal. Ça on sait pas du tout où ça mène. Il faut que je retourne dans la cour en fait. Donc il faut que j'aille dans la salle d'opéra. Ok, pas mal, pas mal. On peut le faire. Non. Allez, 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 on y va, on tente. Je t'ai fait attendre. Non, 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 tu m'as pas fait attendre, mais tu peux partir, s'il te plaît. Ok. Désolé. Je sais qu'il faut pas s'excuser, mais désolé quand même. Ok, ok. Bon. Elle nous suit, hein. C'est une sorte de... Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, on a une autre tête, je pense, au bout. J'ai failli arrêter l'épisode là, vraiment, ça m'a mis sous pression, je vous le dis. Oh non, c'est pas vrai. Tu te décides enfin à venir me voir. Non, personne ne résiste bien. Ok. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Oh là là, j'en ai marre, mais j'en ai marre! Pauvre petite chose, tu n'as nulle part où t'enfuis! Bah. Ah! Oh non, c'est pas ça. Ok. Ok. Tu veux vraiment me tuer? Oui. Bien. C'est pas vrai. Ok. Elle est où? Pourquoi tu fais ça? Parce que t'es con, tu veux me tuer aussi, idiote. Je... pas
Voilà. Et... Hasta la vista, baby. Baby. Voilà. Super. Et ben voilà. Quelqu'un a un problème ici peut-être, je ne sais pas, je... Là, il y a forcément une tête, il y a forcément quelque chose, tu vois. Hop, merci, ça c'est gratuit, ça mange pas de pain. Hop, on va reload tranquille. Bon. J'essaye de tout fouiller. Ne faisons pas les pressés. Ok. Il y avait rien. Là. Petit quelque chose à lire. En fait, vous savez quoi? Je vais pas déverrouiller. Parce qu'elle est de l'autre côté. Eh ouais, je suis intelligent, mon pote. Il y a des mécanismes. Mm-hmm. On a des balles, on prend. Très bien. Grande dame aussi. Oh, grande dame aussi avec une fleur. Faites sonner les 5 cloches. On s'en occupe juste après. Hein. Une cloche. Attends. Faut les trouver les 5 cloches. Faut les trouver les putains de 5 cloches. Ah. Je suppose que ça a fermé derrière. Déverrouiller. Ouais, je l'ai fait quand même. Faites sonner les 5 cloches. Bah dites donc, j'en vois pas 5. Faites sonner les... Ah, putain, ok. Une. Une, deux. Trois. Les malins. Une, deux, trois. Ça peut être des tout petits trucs. Quoi? 4? 4? Où est la cinquième? 5. Ok. J'ai... Excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. 1. 2. 3. Quatre. Cinq. Ok. J'ai été monstrueux. Attends, quoi? Il y a quoi là-dedans? Attendez, parce que si ça continue notre aventure, j'aimerais m'arrêter, moi. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a là? C'est sûr. Ok. C'est la suite de notre histoire, là, non? Une carte au trésor. J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme Dague des Fleurs de la Mort se trouve quelque part dans ce château. Il s'agirait d'une antiquité du Moyen-Âge, enduite d'une concoction de différents poisons provenant des quatre coins du continent. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Cette histoire a beau être fascinante, personne ne sait où se trouve la dague en question. Ok, ça a l'air d'être un couteau d'enculé, ça. Hein. Excusez-moi des termes, mais les mots sont... Ouais. Oh, 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 oh. Ok, tu me plais, là. Là, tu me plais énormément, là. Là, tu me plais, mon petit pote. Et en raccourci, on va le mettre où? Eh ben, écoutez, juste ici, tout simplement.
Ok. Très bien. Est-ce que je dois vraiment tirer ? Mais attendez, attendez là. Oh, je suis où là ? Non, c'est trop, je suis sur les toits. Non, mais attendez. C'est trop, je vais juste mettre fin à l'épisode là. Oh putain, l'ascenseur. S'il vous plaît. Est-ce que je peux me barrer ? Est-ce qu'il me ramènera ici ? Ok ? Ok. Je pense que... Faut que je me les fasse. Que c'est que ces conneries? Je sais pas ce qui se passe! Ah! Ok. Donne de l'argent, non? Mon ref. J'ai pas tiré pour rien, là. Je sais pas ce qui se passe, les gars. Aucune idée de où je vais et tout. C'est la magie Resident Evil, hein. C'est... Toi, tu files un mauvais coton, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, merde. Je veux juste save. Ok. Balle de snipers. Ok. Voilà. Ah, j'ai dit... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je vais! Ah ben voilà, je sais où je vais. Je sais où je vais! Ok, ça devrait me permettre de sortir d'ici. Ok... C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, hein. Bon bah j'ai toutes les têtes. J'ai toutes les têtes et je peux plus passer par ici. Alors là... Ok, ok, j'ai toutes les têtes. Et là ça me remet au toit et je vais pouvoir me barrer. Par contre ça a parlé d'un trésor. Ça, ça m'intéresse, mais j'ai envie de save et on va s'arrêter là. Bon, cet épisode était incroyable. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, vraiment. Parce qu'il était fou. Les cuisines, le donjon, et c'est en haut d'un donjon, près des kitchens. J'y réfléchirai plus tard. On verra. Bon, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vais save. On va pas ouvrir la porte, on va rester dans ce château. On va le trouver, ce trésor, au prochain épisode. Je vous fais d'énormes bisous! Prenez soin de vous! Propulsez-moi ça en top tendance! Bisous tout le monde! Ciao ciao! Normalement, tout devrait bien se dérouler. Je vais voir un truc qui clignote. Eh. 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 Eh ouais, les gars! Des fragments de cristal, c'est Bibi qui régale! Ok. Stupide mortel! Tu as beau courir, tu es condamné. C'était sûr. Allez, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Prochaine étape, bienvenue, le trésor. Bienvenue. Ciao, ciao. J'ai sûrement quelque chose pour vous.